Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler du décor. En tout cas, les amis, avant que la vidéo commence, je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça ferait connaître ma chaîne, ce qui est le but pour l'instant. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler du décor qui est derrière moi, mais on va pas juste en parler en mode « ouais, il y a ça qui va être rajouté, il y a ça qui va bouger, nananinana ». Non, on va vraiment rentrer dans le décor et on va découvrir chaque objet du décor. Je vais essayer un peu de vous expliquer son histoire, pourquoi il y a des objets qui sont partis, tout ça. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis de nouveau actif sur Instagram et TikTok, donc si vous voulez aller voir, ils s'affichent à l'écran mais ils sont également dans la barre de description. Je vous invite à aller les visiter, ça peut peut-être vous amuser. En tout cas, assez parlé, place à la vidéo. Ok, donc du coup, comme je vous ai dit, on va parler du décor, on va pas trop s'impatienter. Je vais pas vous faire patienter, mais du coup, on va tout de suite commencer. Donc, on va commencer par ce côté-ci. Donc, déjà, il y a eu une petite nouveauté. J'ai eu le truc Marvel qui est revenu. Il y a d'autres trucs qui devraient normalement revenir prochainement, mais je n'arrive pas à les faire revenir puisque je n'ai pas la place de les faire revenir pour l'instant. donc voilà, peut-être qu'il y en a qui se souviendront de l'ancien décor. Normalement il y avait des petits trucs cachés qu'on ne pouvait pas avoir à l'écran parce qu'ils étaient beaucoup trop loin, parce que mon ancienne pièce, mon ancienne chambre, parce que c'est dans ma chambre que je fais mes vidéos, donc mon ancienne chambre était beaucoup plus grande, donc on ne pouvait pas avoir tout le décor malheureusement. Et donc voilà. Donc on va commencer. Je vais prendre tout simplement, pour commencer, ceci, qui est tout simplement la voiture Ecto 1 du film Ghostbusters. Alors, pourquoi c'est dans le décor? Bah déjà parce que j'aime bien, j'avais envie de le mettre dans le décor. Mais surtout, c'est parce que c'est un cadeau de mon papa et je voulais absolument le mettre dans le décor. Donc, vous verrez que le décor, c'est beaucoup des cadeaux qu'on m'a fait. Et surtout, beaucoup de cadeaux de mon papa. Donc, il y en a quand même 2-3 de ma maman, mais beaucoup de mon papa, dont un objet qui est là depuis le début, mais du tout début, même sur TikTok, on pouvait déjà le voir beaucoup moins. Mais sur mes vidéos, en tout cas, il apparaît partout. Donc, enfin, partout, sauf quand je fais mes vidéos gaming, il n'est pas présent. Et dans certaines vidéos IRL, où il n'y est pas, parce que, voilà, comme par exemple, j'étais au store d'art de Liège, dans un stade de foot, j'avais pas à prendre mon clap, voilà, voilà, je l'ai dit, c'est le fameux clap, mais en gros, j'avais pas le prendre dans le stade, enfin, soit, en tout cas, on reviendra sur ce clap, et je vais vous en parler, puisque c'est pas un simple objet comme les autres. Donc, soit, donc la voiture des chasseurs de fantômes, donc qui a un peu pris la poussière, donc je l'ai mis parce que j'aime bien tout simplement ce fantôme et tout ça, et surtout ça fait partie de mon univers, donc à savoir que tout ce qui est dans le décor c'est mon univers. Donc c'est tout simplement une pièce où je me sens bien, où j'aime bien venir m'évader tout simplement. Quand j'ai des problèmes et tout ça, je viens dans cette pièce, je vais jouer à la console, je viens dormir dans cette pièce du coup parce que c'est ma chambre. Et donc voilà, donc la voiture avec toi, donc c'est donc un cadeau de mon père qui m'avait offert pour mon anniversaire des 12 ans, je pense. Donc pour mes 12 ans. Donc, actuellement j'ai 18 ans, donc ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai maintenant. Et donc voilà, en gros c'est juste dans le décor par passion, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, ah oui, parce que j'aime bien tout simplement les voitures. Voilà, je suis un grand fan de la mécanique. Donc, de la mécanique voiture et tout ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons
ceci, du coup, qui est la voiture. Donc, elle, malheureusement, donc on peut voir ici que tout simplement le câble ici, enfin le truc ici, malheureusement, a été abîmé dans le transport. Mais pareil, c'est un cadeau de mon père qui, du coup, arrive en même temps que l'Ecto. Donc ça, c'est la machine à remonter dans le temps de Retour vers le futur. Donc, ça, c'est la première version, si je me trompe pas. Donc, pareil, je l'ai mis dans le décor par passion, parce que j'aime bien les voitures et tout ça. Et celle-ci, contrairement à la Ecto, elle a normalement une fonctionnalité, voilà, c'est qu'elle s'allume. Donc c'est une voiture que j'apprécie beaucoup, donc la DeLorean. Donc c'est une voiture que j'aurais bien voulu avoir en vrai, mais je pense que c'est très dur de l'avoir. C'est comme la voiture Ecto, que j'aurais bien voulu avoir en vrai aussi. Mais bah, c'est très dur d'avoir cette voiture en vrai. Donc voilà. Soit, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y aura d'autres trucs comme par exemple, qui n'ont rien à faire dans le décor. C'est juste des trucs que j'ai rajoutés comme ça. Genre, le Rubik's Cube, qui n'a rien à faire dans le décor, mais je l'ai mis quand même. Parce que voilà. Je sais pas. Il y a des trucs que vous verrez, il y a des trucs qui sont dans le décor, mais qui n'ont pas vraiment leur place dans le décor. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc ici, pareil, on les voit depuis le début dans le décor, mais c'est mes deux peluches. Oui, c'est un pénis. Un défi que j'avais fait sur TikTok, sur mon ancienne chaîne TikTok, et en fait, j'ai voulu le mettre dans le décor parce que ça fait partie de l'histoire de ma vie sur Internet. Et ceci, du coup, c'est l'emoji caca. Et lui, pour le coup, il a une meilleure histoire que l'autre. Puisque ça, c'est un cadeau de ma maman. Mais c'est pas qu'un simple cadeau. Un emoji caca, waouh, quel cadeau. En fait, c'est surtout que c'était ma toute première fête foraine où j'avais été avec ma mère. Et c'est la toute première fois où j'avais gagné une peluche dans les pinces. Ça m'avait vraiment marqué, même si c'est un emoji caca. Ça venait de ma maman. Donc voilà. C'est ma toute première fois sur une fête foraine et j'en suis très content. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans le décor, c'est pour m'en rappeler tout le temps. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a donc ceci, qui est, lui par contre, il n'est pas depuis le début dans la chaîne, il est arrivé récemment. Donc il est arrivé fin de l'ancien décor et là je l'ai remis. C'est tout simplement un livre de... Donc là je peux pas le ouvrir parce que je l'ai scotché, parce que le problème c'est que... Avec l'humidité que malheureusement j'ai ici, oui, parce que j'ai des problèmes d'humidité. Mais en fait ici ça commençait, la page ici commençait à se tourner en fait, elle a commencé à formater comme ça. Donc là je l'ai scotché. Là en vrai par chance, dans cette pièce-ci où je me trouve dans ma chambre, il n'y a pas d'humidité, mais dans le salon, et malheureusement il était dans le salon, donc voilà. Donc c'est tout simplement un livre avec les premiers plans. Des livres Marvel, donc des comics, et donc ça, déjà, c'est parce que je suis un très grand fan de Marvel, comme on peut voir avec le bouclier, et avec d'autres trucs, j'ai toute une série de films Marvel et des figurines et tout, mais ça, on le verra plus tard. Et donc, celui-là, j'y tiens parce que voilà, c'est un truc normalement qui vaut très très cher, mais surtout, c'est un truc vraiment historique. D'avoir ça, c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire Marvel, et disons que c'est très dur d'avoir des trucs comme ça, je pense. Donc voilà, ça voilà, je le garde, et voilà. Ensuite, maintenant, on va parler du clap. Alors normalement, devant, comme vous pouvez le voir sur le clap, il y a une photo, mais ça, c'est une photo de mon papa qui est décédé l'année dernière, avec 2-3 objets qui lui appartenaient. Bon, ça, on va pas en parler, j'ai pas envie d'en parler. C'est pas que je veux pas parler de mon père, c'est, voilà, je trouve qu'il n'avait pas à savoir ça sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je suis tout à fait honnête avec vous. Hein. Alors, donc on va parler du clap. Et ça, le clap, pour le coup, lui, il a une véritable histoire. Donc on va pas attendre la fin de la vidéo pour en parler, comme il y a qui disent jusqu'à la fin, blablabla. Pourquoi ce clap est aussi important sur ma chaîne? Eh bien, tout simplement parce que c'est grâce à lui. Et c'est même pour ça que j'ai mis la photo de mon papa dessus, puisque c'est un grand rapport avec mon papa. En fait, au tout début où j'avais lancé ma carrière sur YouTube, déjà j'avais commencé avec une autre chaîne YouTube qui n'est plus répertoriée sur YouTube, on ne peut plus la trouver normalement. Il y avait beaucoup
J'ai envie de dire beaucoup de vidéos, mais pas beaucoup à la fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais commencé sur YouTube sans que mes parents le sachent. Et en fait, malheureusement, mon papa a été au courant. J'ai donc dû arrêter la chaîne YouTube. Pas que mon papa voulait pas que je fasse de vidéos, au contraire. Mais il trouvait que c'était beaucoup trop jeune. Donc, j'ai arrêté cette chaîne YouTube. Donc, c'était consacré à GTA. Et donc, quelques années plus tard, en fait, quand j'ai changé de maison et que du coup j'avais reparlé à mon papa de faire YouTube, ben en fait, je lui disais que j'étais pas sûr de le faire et que j'avais peur tout simplement d'échouer. C'est bien pour ça que j'essaye d'être connu, que je vous demande de vous abonner. Et en fait, ben, il avait été chercher ce clap. Et en fait, moi je lui ai dit, ben, c'est juste un clap de cinéma, parce que j'aime bien le cinéma, enfin, j'aime bien le cinéma, surtout Marvel. Je connais d'autres personnes avec qui on préfère un feat, qui sont beaucoup plus calés sur le cinéma que moi. Mais soit. Et en fait, mais il dit ça ne symbolise pas que le cinéma, ça symbolise la vidéographie, donc la création de vidéos et tout ça. Et donc, quand il m'a donné cet objet, il m'a dit, voilà, je te donne ça, et ça, c'est pour tout simplement montrer que tu dois commencer à faire tes vidéos, essayer de t'en sortir et tout ça. Et en fait, ceci, il est dans mon décor, déjà en mémoire à mon père. Mais surtout parce que c'est l'objet qui m'a fait commencer les vidéos sur Internet, enfin, les vidéos sur YouTube, parce que je faisais déjà des vidéos sur TikTok. Et donc, je voulais absolument l'incorporer dans le décor, parce que c'est grâce à ça que j'ai commencé, que tout a commencé. Donc, bah, je dis que tout a commencé, mais bon, je suis pas un grand YouTuber non plus. Mais là, mon but, c'est simplement d'être connu sur YouTube, de montrer qu'avec pas grand-chose, avec pas beaucoup d'argent, avec pas beaucoup de budget, avec pas beaucoup de matériel, eh ben on peut faire de très bonnes choses. Et que surtout, montrer que la Belgique a des bons youtubeurs, des bons créateurs de contenu. Parce que voilà, je suis belge, ça je pense que vous le savez. Et donc je voulais montrer que simplement sur YouTube, sur TikTok et tout ça, ben que la Belgique pouvait s'en sortir aussi. Donc c'est pour ça que ce clap il est là. Et dans une de mes très anciennes vidéos, il y avait mon prénom qui était sur ce clap. Et que j'avais bougé, j'avais retourné la vidéo. Donc je pense qu'il y a peut-être un comment de voir le moment où on voit mon prénom. Et voilà. De toute manière, vous ne saurez pas mon prénom tout de suite. Soit. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Maintenant, nous allons passer à l'étagère, du coup. Et là, dans l'étagère, il y a des choses à dire. On va d'abord commencer par cette étage, puis on ira là, et puis on montera tout au-dessus. Alors, pour commencer ici, qu'est-ce que nous avons? Donc ici, on va dire en premier plan, on peut voir une PS3. Ce n'est pas juste une PS3, c'est ma toute première console de jeu. Et donc ça aussi, ça fait partie de ma passion. Et je voulais le mettre dans le décor tout simplement parce que, bah, pareil, c'est ça que je fais sur la chaîne, c'est du gaming. Mais pas que, là je fais beaucoup de gaming, mais il y a plein de choses qui sont prévues pour la suite. C'est juste que j'attends d'avoir le meilleur matériel. Je vois que je dis qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, mais voilà. Voilà, j'essaie quand même d'avoir du meilleur matériel. Comme la GoPro que j'ai acheté qui est normalement quelque part en dessous. Mais voilà, ça c'est pour des vidéos vélo. Mais voilà, je prévois des vidéos IRL, beaucoup plus de vidéos IRL parce que je l'avais déjà fait. Donc ici, nous avons la PS3. Et oui, je pense que vous verrez de l'autre côté, il y a une autre console que j'avais parlé sur YouTube. Justement, c'est une annonce que je vais faire cette vidéo. Je m'en y reviendrai après. Et ici, donc, non, je vais pas vous prendre avec moi, mais ici tout simplement, nous avons une petite collection de manettes. PS3, donc la classique, la white, la dragon, la dragon red, le dragon rouge, et la 2.0, donc c'est comme la classique, mais en 2.0 du coup. Donc voilà. Un peu plus loin, ici, pareil, il fait partie du premier décor, et donc c'est tout simplement le casque de Kylo Ren dans Star Wars. Donc lui j'avais voulu le mettre dans le décor parce que ça fait partie de mes passions. Et ici, ce que vous attendiez depuis un petit moment, et oui je sais je l'ai très tardivement, la PS4. Alors oui elle est dégueulasse ici, mais faut pas attention à ça. Voilà, c'est la PS4 édition Star Wars, Dark Vador. Voilà, je l'annonce. Prochainement il y aura des vidéos sur PS4, mais normalement avec une meilleure qualité. Malheureusement les vidéos Xbox, bah, ça risque d'être terminé. Parce que bah, le problème c'est que j'ai pas réussi à retrouver mon accès à Twitch sur ma Xbox, je sais pas pourquoi. Ils ne veulent pas me la rendre. Donc normalement on va passer sur PS4 pour les vidéos. Et donc il y aura encore des vidéos Fortnite, mais ce sera donc sur PS4. Donc voilà.
Donc je pense qu'il y aura quand même encore des vidéos sur Xbox, mais très 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 rare, comme le jeu The Marvel, qui lui qui supprimait la sauvegarde sans faire exprès. Mais c'est pas grave, on n'avait pas commencé le jeu, donc c'est pas grave. Donc peut-être qu'il y aura encore des vidéos sur Marvel, sur The Avengers. Mais le problème, voilà, ce serait avec la qualité de merde. Mais voilà, je verrai bien. Donc, bien sûr, avec la PS4, on a... Alors attendez, hein. On a la manette qui est au-dessus avec les manettes Xbox, mais ça on les verra plus tard. De toute façon, sur le bas, bah, c'est à peu près tout. Donc en haut, attendez, là je vais vous prendre avec moi. Donc en haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup de choses, dont mon ancien téléphone qui lui n'a pas à être là. Donc ici, nous avons tout simplement le livre du Standard de Liège, donc qui est le club que je supporte. Hein, je suis un ultra à tout ce club. Avec un billet en rapport avec l'équipe, c'était dû à un événement, du coup, un événement en rapport avec l'équipe. Derrière, nous avons les canettes Jupiler de l'équipe nationale belge. Nous avons des tasses. Nous avons, du coup, le mug du Standard, le mug de la Belgique, des gobelets encore du Standard, donc 125 ans, donc on a deux versions du gobelet. Ici, on a une boîte, c'est un coffret standard, donc avec des autocollants, etc. Donc dans le coffret, ben, nous avons, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, attendez, on va bouger ça. Donc nous avons, est-ce qu'on va pouvoir le voir, donc nous avons une montre, un bracelet et une ceinture du Standard. Donc voilà, alors oui, nous avons déjà un petit personnage français de l'euro. Ne me demandez pas pourquoi il y a un belge qui a ça, mais je l'ai. Au-dessus, du coup, comme je vous disais, on a la manette de la PS4, donc qui est la manette édition Star Wars, qui est une manette que j'aime bien. Elle est très classe, j'aime beaucoup. Bon, malheureusement, je l'ai allumée sans faire exprès. Avec, ici, donc, vous allez voir que c'est bordé sur ma collection. Donc ici, nous avons tout simplement le jeu Avatar Der Element, je crois quoi, de la PS2, donc ma petite collection PlayStation. Ici, nous avons les jeux Xbox, donc FIFA 23, Grand Theft Auto, Avengers, le jeu qu'on était censé faire sur la chaîne. Assassin's Creed Origin Xbox, mais normalement, ça, les Assassin's Creed, on va les faire en vidéo, mais ce sera sur la PS4. Les FIFA, les autres FIFA, du coup. Modern Warfare et Call of Duty WW2, donc Deuxième Guerre Mondiale. Battlefront, et ça, c'est un jeu que je voulais faire avec vous. Donc, il y a peut-être moyen qu'on le fasse, mais je verrai bien. Et derrière, nous avons tout ce qui est jeu PS3. Donc ça, j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, on en a là derrière, on en a ici. Qui fait partie de mon autre collection, donc un vaisseau Star Wars Lego, donc oui, il a un peu pris cher, comme vous pouvez le voir. Ici, il devait avoir un truc, mais il n'y est plus. Une deuxième manette Xbox, donc ça c'est la manette classique que j'avais eu avec la console. Ici, nous avons une figurine du bouffon vert de Spider-Man. Une figurine Luffy avec le bracelet One Piece. Une figurine Iron Man avec deux cartouches de fusil, mais ça c'est parce que j'avais été tiré pour la première fois au fusil, je voulais le mettre dans le décor. Et ma longue série de films Marvel. Le saut en rapport avec le film Deadpool et Wolverine. Leur film qui va bientôt sortir en DVD. Ici, nous avons d'autres films que je dois classer là, mais que j'ai pas encore fait. Et il y a des films de ceux qui sont inclassables. Et ici, c'est tout simplement un carnet avec la collection du gant de l'infini. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Ici, nous avons le casque Iron Man. Ça, c'est un trophée d'une victoire que j'avais eu avec mon club de football. Et là, c'est le masque de Spider-Man Homecoming ou un truc comme ça. Ici, nous avons mon casque gaming, malheureusement, qui ne me sert plus trop puisque j'ai un problème avec le casque. Bon, je sais entendre, mais j'entends beaucoup moins fort. Et je l'utilise beaucoup moins parce que je joue plus trop en ligne. Ici, nous avons le Joker de Suicide Squad. Une statue encore du Standard, mais une statue légende. Et là, une bouteille de bière Standard. Ça fait des années que je l'ai. Et ici, le bouclier de Captain America avec un masque Anonymous ici. Mais ça, ça devait être normalement pour un projet qui devait venir sur TikTok, qui n'a jamais eu lieu. Donc, ça peut toujours arriver, hein, mais voilà, pas pour l'instant.
Donc voilà pour ce qui est simplement du décor. Donc malheureusement, comme vous pourrez voir, il y a d'autres trucs qui faisaient partie du décor qui ne sont plus là. Enfin, on peut voir simplement ici un genre de poster, Death Note aussi, j'avais oublié de le dire. Et donc on a encore une dernière partie du décor à voir. Et ça, donc je vais faire pareil que là, je vais prendre la caméra pour y aller parce que j'ai pas envie de tout déranger et tout. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de trucs de l'ancien décor qui n'est plus là malheureusement. Puisque j'ai pas la place de les mettre pour l'instant, mais j'espère pouvoir les remettre un jour. Soit, on passe à la dernière partie du décor, je vous montre ça tout de suite. La dernière partie du décor, donc c'est la partie que normalement on peut le plus voir. Alors attendez, est-ce que j'ai fait tomber quelque chose? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en arrière-plan? On peut voir ma grande collection de monsters, parce que je suis un fan des boissons énergisantes monsters. On peut voir que la poussière a fait son travail. Soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les livres Minecraft de Frigel, donc qui est un youtubeur, hein, mais je pense qu'il y en a qui le connaîtront. Juste déjà, j'aime bien Minecraft et j'aime bien Frigel, donc voilà. Enfin, j'aimais bien Frigel, mais je regarde plus ses vidéos depuis un moment, malheureusement. Je pense qu'il faudrait peut-être que je m'y recolle. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons d'autres, encore un autre truc, Marvel, qui est simplement le katana de Hawkeye, donc de Eye de Faucon dans Marvel, qui est du coup l'archer. Un sabre laser Star Wars, mais qui malheureusement la batterie ne fonctionne plus, donc il va falloir que je rachète une batterie ou à nouveau ça, enfin je verrai. Des mini figurines Marvel Endgame, une figurine One Piece, les pierres d'infinité Marvel et encore des figurines Marvel, donc on a Black Widow, Nick Fury et The Punisher, je pense. Et encore, je sais pas, je sais plus lui qui c'est, mais je pense que c'est The Punisher. Et donc voilà, donc à peu près ce qu'il y a de ce côté-ci. Et donc voilà en gros pour le décor. Donc bah, je pense que c'est à peu près tout. Du côté setup, bah il n'y a pas grand-chose à montrer, je vraiment sera un petit truc comme ça pour l'instant. Mais voilà, je pense encore changer de pièce un jour, parce que je vais sûrement encore déménager. Parce que maintenant j'ai 18 ans, ben, je compte prendre mon indépendance. Enfin, mon indépendance. Disons que je suis pas vraiment chez mes parents, enfin chez ma mère. C'est dur à expliquer. Mais entre guillemets, je vis tout seul, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ah oui, et ça c'est du coup à ma mère. Donc c'est un éventail chinois. Et voilà. Ça c'est plus à ma mère. Mais voilà, elle voulait le mettre. C'est un petit clin d'œil à ma mère, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a un peu parlé de tout dans le décor. Donc bien sûr, il y a encore des choses qui vont arriver, dont ici, il y a de l'éclairage qui va arriver prochainement. Sûrement pour décembre, un truc comme ça. Mais c'est vrai que de toute façon, pour décembre, ça va être décoré, tout ça. Il y a juste pas pour Halloween. Pour Halloween, c'est pas décoré, puisque bah, déjà, il n'y aura pas beaucoup de vidéos IRL prochainement. Et surtout, bah, il y aura plus de vidéos IRL pour Noël. De toute façon, j'ai même pas de décoration d'Halloween. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Concernant la chaîne YouTube, bah, prochainement, les prochaines vidéos, bah, je pense que ce sera encore du gaming. À voir quoi, puisque déjà cette vidéo va sortir très tardivement. Là, avec la fête d'Halloween et tout qui arrive, bah, j'ai pas vraiment le temps parce que je suis en train de préparer quelque chose avec des amis pour un événement. Qui se passe, qui n'a pas, qui n'a pas, qui n'a aucun rapport avec les réseaux. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près parlé de tout. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. Donc les amis, si vous voulez un peu plus d'explications, si vous avez des questions à poser sur le décor, bah, j'y répondrai volontiers en vidéo ou par commentaire. Moi, ça me dérange pas de vous répondre. Franchement, voilà. Moi, j'aime bien répondre aux gens, surtout à ma communauté, si j'ai une communauté. Et donc voilà. En tout cas les amis. Alors, les gars, on se retrouve un peu plus. Ah, du coup, on se retrouve à la fin de la vidéo normalement. Donc voilà, je voulais vous montrer, il y a eu des petits changements. Donc les consoles sont passées en bas. Du coup, il y a un nouvel étage à l'étagère. Du coup, tout ce qui est console, ça, sont passés en bas. Donc on a la PS4. On a une nouvelle PS3 que j'ai eue. Je vais la rejeter à la collection du coup. Et là, on a ma PS3, ma toute première console. Ici, on a les vaisseaux Star Wars, il me semble que j'en avais parlé, qui sont donc arrivés. Les voitures qui étaient là ont été déplacées là. Et ici, on a les voitures Lego qui étaient du coup dans le premier décor. Donc voilà, donc il y a à peu près tout qui a un peu changé. Je trouve que c'est mieux comme ça maintenant. Donc voilà.
Merci d'avoir visionné la vidéo. Moi, en tout cas, je vous demande une dernière fois de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Enfin, vous avez compris, vous connaissez. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Guépard. À tchuss, ma biche.